Nounours, j'ai retrouvé mon bébé. Elle parle trop bien, elle parle encore mieux que. Papa, il est au lit. Pourquoi t'es une grande fille? T'as l'impression que t'as 5 ans. Et pour. Quoi? Et pourquoi pas dodo? Et pourquoi pas dodo? Et pourquoi pas dodo, moi? Elle est trop drôle. Tu m'as manqué, hein? Elle était où, maman? Au mariage. Au mariage? Oui. Mais non, c'est pas encore le mariage. Au mariage. Quoi? Au mariage, maman. Au mariage. Elle cherchait ma robe de mariée, c'est ça que tu veux dire? Mariée. Oui, t'es mariée. Elle va venir, Manidan. Et tu sais qui y a qui est arrivé aussi? Tata Joanne. Tu la connais? C'est la tata de maman. Tata Joanne, elle parle que anglais. Tu vas voir comme elle est gentille. Tu vas l'adorer. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis à la maison. Bon, aujourd'hui, ça va être no make-up day. Je vais laisser respirer ma peau. Je n'arrive même plus à parler. Cette semaine un maximum, donc je vais pas me maquiller tous les jours pour que ma peau respire avant le mariage. Il faut que je m'occupe de mes cheveux, il faut que je m'occupe de ma peau, il faut un peu que je m'occupe de moi là. Donc aujourd'hui on a un million de trucs à faire, là je vais monter à la salle avec Nico pour voir tout ce qu'ils ont fait. Je dois faire les dragées, parce que oui, je me marie dans 5 jours, je n'ai même pas encore fait les dragées, on a 200 invités. Tout va bien. Je dois préparer la chambre pour Gaëlle parce qu'elle arrive demain, Gaëlle. Ouais, ça va être trop cool. C'est la première fois qu'elle vient en Corse, elle n'est jamais venue, elle ne connaît pas du tout. Elle est trop excitée. Et j'ai plein de trucs à faire. Je dois envoyer un mail à la fleuriste, un mail au DJ. Je dois... J'ai trop de trucs à faire. Trop de trucs à préparer. Mais ça va être cool. Ça y est, je suis de retour à la maison. Et là, elle était trop contente de me voir ce matin quand elle m'a vue. Elle a dit, oh maman, j'avais perdu maman. Elle est trop chou. Donc là, voilà. Elle est allée se promener avec ma mère, ma tante et l'amie à ma tante qui est venue aussi avec elle. En fait, ma tante, elle est venue avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie habite en Angleterre, elle habite au Canada. Du coup, elle est passée par l'Angleterre, elle a récupéré sa meilleure amie et elles sont venues ensemble. Parce qu'elles étaient déjà venues en Corse il y a 20 ans ensemble. Moi, j'ai retrouvé mon petit chaton. Il a perdu maman. T'avais perdu maman? Oui. Il l'a retrouvé maintenant. Mon petit bébé. Je pense que c'est parce que je dis retrouver que tout le temps elle dit j'ai perdu maman. Parce que du coup j'ai dit ah on s'est retrouvé. Et moi, du coup, elle pour elle quand je suis pas là elle m'a perdu. Moi, ah c'est ta place, oui, excuse-moi. Madame. Donc elle est allée se promener avec ma tante et ma mère et l'amie à ma tante, elle vient de revenir. Elle m'a raconté tout. C'est quoi maman? Ça c'est des oiseaux. C'est des grues. Les grues, c'est des... T'as vu, elles ont des grandes pattes. On regarde un reportage animalier. Donc, je suis trop contente parce que j'ai réussi à trouver une solution pour les dragées. J'avais des sachets, en fait, en toile de jute qui sont arrivés et qui étaient beaucoup trop grands, en fait, par rapport à ce que je pensais. Et du coup, on a trouvé une solution avec ma tante et tout. Et ce soir, on va se faire une soirée dragée. On va mettre les dragées dans le... Donc à mon avis, ma soirée, l'amour est dans le pré, je regarderai les replays parce que je vais pas leur imposer ça, mais on va faire les dragées. Donc c'est bien. Je vais avoir des mains pour m'aider. Donc ça, comme ça, je fais ce soir. Là, je vais faire la chambre de Gaëlle parce qu'elle arrive demain. Non, il y a ta voix. C'est ta place à toi. Toi, tu m'as volé la place à moi. Non. Et voilà. Non, il y a pire. Et bah ta place. Voilà madame. Donc il s'est passé un truc aussi en mon absence, c'est que ma mère a voulu nettoyer les housses du canapé. Donc elle avait nettoyé ça, c'était nickel. Parce que nous normalement on nettoie à la mousse pour nettoyer en moquette et nettoyer en tissu quoi. On les a jamais déhoussés pour les mettre à la machine, on les nettoie toujours à la mousse. Et du coup il y a eu un bug. Regardez mon état de mon canapé. Mon canapé est tie and dye. Voilà. Alors déjà qu'il n'était pas fameux, maintenant il ressemble vraiment plus à rien.
maman. On va voir que je reteigne les housses, je pense, à la machine, mais j'aurais pas du tout le temps de faire ça cette semaine. Donc je vais garder mon canapé tie and dye pendant... De toute façon, on veut changer, on ne supporte plus. Bon, on va faire manger, enfin je vais faire manger parce que Nico il va rentrer de la salle dans pas longtemps. Je vais faire très simple, aujourd'hui ça va être des pâtes et de la sauce, c'est tout. Parce que là, franchement, je suis fatiguée, j'ai pas le temps aujourd'hui et je suis tellement... Je suis fatiguée donc j'ai besoin de prendre des forces, donc ça va être des pâtes, ce sera très bien. J'ai reçu un nouveau short, je vous ferai un haul d'une commande que j'ai reçue encore. Il est trop joli et pour une fois il est vraiment bien parce qu'il descend, enfin il descend bien quoi, je suis pas, j'aime pas quand c'est un peu court et que ça remonte et il me va. Parce que je vous avais dit que je rentre, enfin tous mes shorts sont trop grands et celui-là il est pas trop grand, il me va nickel. Donc enfin j'ai un short à ma taille parce que je fais un peu pitié quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Dodo sur la valise à maman. Dodo sur la valise à maman? Oui. Ah t'as l'air bien là. Maman faut qu'elle vide sa valise. Elle est là. Bonne nuit. Bonne nuit, Ella. Dors bien, bonne sieste. Ah, écoute, ça. Maman, ça se couche. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les ciseaux? Ah, les ciseaux, c'est maman qui les prend. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un cadeau. C'est un cadeau, il y a quoi dedans? Tu te souviens ça? Tous les mois on le reçoit, il y a quoi dedans? Quand on ouvre cette boîte, tu sais tous les mois c'est quoi qu'il y a dedans? Tu sais plus? La cadeau. C'est la boîte avec tous les livres dedans. Oui. Tu veux voir? Oui. Si on a reçu la box de Pandore quand j'étais pas là, on va la regarder. Pas là. Et oui, maman était pas là. On va regarder ce qu'il y a dedans alors. Il y en a que une qui est contente, hein. Bon, moi je suis en train de faire le bureau. Moi j'ai un bébé, moi. Toi t'es un bébé? Non. Non, t'es pas un bébé toi. T'es une grande fille. Alors. Ouh, comme c'est mignon. Montre à la caméra ce que c'est, ma chérie. Oui. Tu montres? Qu'est-ce que c'est? Un petit cachet. C'est des petits jouets de plage, mais tout petits. C'est trop chou ça. Ils sont tout petits comme ça. Jamais vu ça. Odisha, maman. Je vois pas trop la marque, on dirait que c'est une marque Odisha, hollandaise. On va l'ouvrir dehors parce que ça sera pour faire joujou dehors. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? Ah, encore un livre. Pourquoi? T'aimes bien pourquoi? Pourquoi les poissons? C'est le troisième qu'on a de cette édition Mei Mitsuki. Pourquoi les poissons cette fois-ci? Montre-moi celui-là de livre, ma chérie. Ça, c'est un livre Méchamorphose. Moi, je... Attends, je te montre le livre. Oh, c'est joli. J'aime bien les illustrations, elles sont belles. Moi. Donc ça, c'est... C'est beau celui-là. Celui-là, il est beau aussi? Oui. Donc celui-là, c'est des éditions Iselt. C'est Méchamorphose. C'est sur un chat. Je vais être contente, ça va te plaire ça. Et ensuite, il y en a un troisième qui est Les métiers de Mimi. C'est un livre avec des autocollants. Wow, ça tu vas être trop contente parce que toi, les autocollants, t'adores ça. Regarde. Regarde tous les autocollants, bébé. Regarde. Plein d'autocollants pour mettre dans le livre. On le fera toutes les deux. Oui. Donc comme d'hab, là, elle joue avec soit le carton, soit le papier bulle. C'est des éditions Albin Jeunesse. Ensuite, on a un petit pistolet à eau. Moi, je ne sais même pas comment on s'en sert, c'est ça, toi. Et il y avait, comme d'hab, une petite madeleine. Oh, maman, un gâteau. Moi, petit chat. Ah, petit chat, moi. T'as un petit chat, toi? Mais non. Non. Petit chat, moi. Tu veux goûter ça? Oui. Bon, alors on va se mettre. C'est aux fruits, ma chérie. Hein. C'est pas au chocolat, c'est aux fruits. D'accord. On va se mettre dans la chaise? Oui. Allez. Oui.
Au goûter. Chante. ABCD. Italie. Pourquoi Italie? Bon, la chambre de Gaëlle est prête. Regardez. Bon, malheureusement, il y en a partout parce qu'il y a quand même les affaires du mariage. Donc, j'ai fait le lit avec les draps que j'ai trouvés. Parce qu'il me manque la moitié de mes draps, je ne sais pas où ils sont. Hop, ça, il faut le remettre droit. Ça, faut que je range. Le bureau, après, il sera nickel. Et là-dedans, il y a toutes les affaires pour le mariage. Une fois que le rideau sera fermé, elle aura de la place pour mettre sa valise et tout. J'ai sorti les serviettes pour elle. C'est la chambre. C'est qui va faire dodo ici? C'est moi. Non, c'est qui? Moi, c'est moi. C'est qui va faire dodo ici? Et là, c'est qui? Maman. Non, c'est pas quoi. Tu sais qui c'est qui va faire dodo? Tu l'as dit tout à l'heure. C'est ma reine. C'est pas ma reine. C'est gars. Elle fait exprès. Mais t'es vraiment une coquine, toi. Hein bon, non, fin d'après-midi. Je suis en train de faire les dragées. Je vous montre pas, hein, parce que quand même, je galère. Il y en a des millions et finalement, bah, vu qu'on mange tous chez mon beau-père ce soir avec ma tante, etc. Parce qu'il loge dans l'appartement qui est au-dessus de chez mon beau-père. Bref, j'avance moi, eux ils s'occupent de la petite. Et peut-être qu'ils m'aideront après, mais bon, je pense que je vais aller assez vite quand même. J'ai ma cousine qui est arrivée avec ses enfants, mon autre tante du côté de ma mère qui est arrivée. Cette semaine, il y a tout le monde qui arrive, c'est le stress qui monte, ça y est, je vous dis, c'est le stress. Demain, il y a Gaëlle, on va m'aider. C'est tout pour toi? Très moi. T'as très toi? Elle trie. Ah, tu tries? Non, elle a dit très, genre elle en a beaucoup quoi. C'est bon ou pas? Et là? Oui. Pourquoi tu manges pas ta haricot vert, bébé? Tu manges tes haricots verts? Non. Il y a pique pas. Ça pique? Oui. Ça pique pas les haricots verts? C'est les oignons. Un petit peu. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Ah, mais d'accord. Ils dorment dans quoi? Je sais plus comment on dit. Ils dorment dans les? Dans les gymnastes. Dans les gymnastes. Comment on dit déjà? Alors il m'a dit ils dorment dans les gymnastes. Après il m'a dit ils dorment dans les gymnasmes. J'arrive pas à le dire. Vas-y, redis-le. Non, je sais plus. Ils dorment dans quoi? Comment tu dis? Dans les gymnases. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit gymnasme et gymnaste. Je voulais pas dire gymnaste. C'est comme quoi? Je voulais pas dire gymnaste. Je voulais dire gymnasme et gymnasme. C'est gymnase. Ben oui, c'est pas zme. Gymnase. Voilà. Voilà, il dort dans les gymnases. C'est comme soupoudré. Soupoudré. Bon, les dragées, c'est fini. Et là, Nico, il est en train de faire un live, le live du lundi, dans notre chambre. Et là, moi, il faut que je refasse le plan de table. Je vous l'ai dit, je crois déjà. Finalement, il faut que. On a des tables de 10. On a 10 tables de 10 et le reste c'est en table de 6 ou de 12, donc il faut que je refasse le plan de table. Et ça, ce n'est pas très judicieux. Ça veut rien dire, ce que j'aime dire. C'est juste pas une bonne nouvelle quoi. Allez, c'est reparti, plan de table. Et je vous ai pas dit la blague aussi, le vol de Gaëlle a été annulé. Elle devait arriver en 11h25 demain matin, finalement il a été annulé. Elle a réussi à choper un autre vol avec une correspondance et elle arrivera à 9h30, donc du coup elle arrive plus tôt que prévu, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ça chamboule un peu mon organisation de demain. Il faut que je revoie mon planning de demain quoi, du coup. Bon, ça y est, le plan de table est terminé, on va s'en sortir. Donc je voulais monter mon vlog ce soir mais il est déjà presque 1h du matin, donc c'est pas possible. Je vais aller me coucher parce qu'il faut que je me lève tôt parce qu'on a le traiteur demain qui arrive à 8h30 pour déposer le matériel et il faut tout décharger. Et du coup, vu que le vol de Gaëlle a été avancé, il faut que j'aille à l'aéroport plus tôt. Donc voilà, le problème c'est que Nico il veut que, enfin il faut que je voie voir un peu ce que livre le traiteur et du coup je
j'avais des trucs à acheter à Ajaccio, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vais voir, je vais vous laisser ici. Il faut aussi que je me lave les cheveux et que je fasse mon soin repigmentant. Donc je pense que je vais me lever à l'aube. Voilà. Donc c'est bien quand on n'est pas maquillée. Parce que le démaquillage, du coup, bah c'est juste un coup de tonique et c'est bon. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Le mariage approche, ne loupez pas ça. Je suis trop excitée. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !